C'est bon, ok, je m'entends, c'est cool. Ok, test, testicule 1, 1, ok. Ok, bonsoir à tous, c'est Hassan, top show, l'émission 100% foot amateur, tous les 15 jours sur 94.2 sur Radio Fadjet. Ce soir, Pierre n'est pas là. Il a rendez-vous, je pense, je pense, Pierre Damer. Bon après, vous savez avec qui. Ce soir, euh, nous sommes avec euh, des invités. En face de moi, il y a Chris, chroniqueur. Salut Hassan. Il y a Farid, chroniqueur. Salut Hassan. Il y a Salah, chroniqueur. Salut Hassan. Et je vais laisser Chris présenter. Les invités, Merci Hassan de remplacer Pierre déjà. C'est un honneur. Quel plaisir. On lui, Super. on lui met un petit taquet, non? Mais, mais, mais est-ce que Pierre n'est pas venu parce qu'il a perdu le classique? Enfin, que Marseille a perdu le eh classique? Évidemment, évidemment. On Il... est d'accord qu'il voulait pas que tu le chambres. Il savait qu'il allait prendre cher par rapport voilà, à ça. Voilà, merci, Pierre Dameur. Allez, je te laisse gérer, Chris parti. Ça marche, merci Hassan. Euh, on se retrouve avec deux invités, hein, comme tous les 15 jours, et avec nos chroniqueurs. Donc euh, merci Salah et merci Farid déjà euh, pour ton retour. Farid, tu avais ah, fait la, aussi, la première ouais. de la saison. Hein ah, c'est un merci plaisir. Hein, c'est la première fois que je bosse avec lui. C'est un honneur pour moi qu'il soit à côté de moi. Ouais, ouais, ouais. Gentil, merci, merci. Arrête de m'enflammer. Ah, app apparemment, Farid me dit qu'il a une cote de popula popularité depuis qu'il fait l'émission. Ah, bah, hein, Farid, à... non Il y, y, y a eu des bons retours. Très très <laughs> Ça va. Très, très bons ça va. <laughs> on reçoit le gardien de l'ESSECours. Jérémy Perouf, salut euh, Jérémy. Bonsoir, bonsoir. Merci, Merci. d'avoir accepté euh, l'invitation de Top Show. Merci pour l'invitation. Ouais, on voit que t'as mis euh, le polo avec le sponsor. Ah, je représente mon club, hein, c'est normal. C'est hein. galbé quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais. Enfin, gar... Là, c'est un gardien imposant. C'est une obligation pour le sponsor, sinon il y avait euh, une amende ou... Non, non, mais pas. <rire> non. <rire> Je représente. <laughs> ok, Kevin Bedel, le défenseur et capitaine du Kosvillet. Salut, Kevin. Salut, Chris. Salut à tous. Comment ça tu va, vas ça, bah, ça va très bien. Ouais, on s'était croisé au All-Star. Hein. C'était la cool. dernière fois qu'on s'était vu. Ouais. Il faisait bien chaud. <laughs> Il faisait bien chaud. <laughs> tu t'étais fait bien chambrer ouais, aussi. On, est ah, bien fait chanbrer, ouais. on, on va en venir. Il est à côté de moi. <laughs> il manque Mike. Il manque Mike. Je, je Mike. ne dis rien. Je ne dis rien pour le moment. Alors messieurs, euh, hein, euh, top show, euh, l'émission 100% foot amateur en collaboration avec la page Top Foot 54. Hein, juste euh, pour démarrer l'émission. On est sur Snap maintenant, donc euh, voilà, ça va un peu tourner. Donc vous verrez tous les coulisses de l'émission. Euh, voilà comment ça se passe. Hein. On, on est en train de mettre ça en place pour novembre. Okay. Donc on vous fera réagir avant, pendant et après, hein, un peu le côté inside. On va commencer, Salah et Farid, par euh, l'actualité euh, du week-end. Ouais. Seulement, j'aimerais bien revenir un peu sur euh, nos amis nancyens de la SNL. Euh, Alors... Il voilà, y a eu deux tours de coupe, Farid, euh, et aussi un match de championnat. On va commencer par le, le 17-0 infligé à, à cette petite équipe de D2 qui, je pense que c'était quand même une fête pour eux d'aller à Pico. Non, Farid bah, franchement, euh, quel joueur de deuxième division de district n'aimerait pas jouer au stade Marcel Picot contre les, plos, les pros de, de l'Asie-Lorraine Donc, ah, en fait, ouais. euh, suite à leur match de Cholet, ils sont partis en stage. Trois ouais. jours. Bien euh, dans le micro, -fight, ouais. Dans, dans, dans les Vosges. Ouais. Trois jours. Pour essayer de consolider le groupe, qui est déjà un vrai, vrai groupe. Et ensuite, bon, il y a eu ces deux tours de Coupe de France et match de, de championnat. Premier match contre Nilvenge, euh, deuxième division de district. Euh, le match devait se jouer euh, en Moselle en premier, puis au final, euh, pour des problèmes de sécurité, mmh. le match euh, s'est déroulé au Stade de Marcel Picot. Je pense que c'était une vraie fête pour. Euh... Et ça, c'est vraiment véridique parce que là, j'ai vu le stade qu'ils ont joué en R3, euh, non mais le truc, c'est que <laughs> c'est un, un club mmh. Et Quand on connaît la rivalité entre ouais. Metz et Nancy, mmh. les supporters euh, c'était les... trop dangereux. Ben oui. Trop mmh. dangereux et le coût, le coût pour recevoir euh, bah, tout ce qui est police et tout ça, mmh. bah, elle était énorme. C'est un club de deuxième division de district. J'imagine même pas le budget qu'ils ont S'ils <laughs> organisent le match là. Bah, ils cassent leur budget pour 30 ans mais ils coulent le club quoi. Mmh. Donc, <laughs> la, la, la prochaine fois que vient Ucan Jean Meurthe et Moselle on les fait jouer à Pico hein, Jérémy c'est ça <laughs> ah oui, oui. <laughs> <pas> ça <laughs> va oui. merci les gars <laughs> celle-là était gratuite euh, et donc du coup euh, ouais, victoire 17-0 hein. bah, la logique a été respectée plus que respectée et puis bon euh, le, le score reflète le respect que la SNC Lorraine a eu pour l'équipe de, de Nilvenge. Mmh. Ouais. c'est ce qu'il fallait faire euh, 17-0 sachant que Épinal avait battu dix 17-0. Exactement. Voilà, c'est Alors bizarrement, hein, on a félicité Épinal oui. euh, voilà, ils ont respecté au sonville euh, ah, d'ailleurs euh ton quartier, Hassan ah Et Farid aussi Non, hein. moi je suis international, je suis partout. Ah moi, je suis de partout. <laughs> J'aime tout le monde. Peace and love. Donc ça, ça, a été, ça a été, voilà, on a eu des. Et par, euh, bizarrement, la SNL, euh, sur les réseaux, on a vu que les commentaires, ils n'étaient pas non plus euh, très élogieux Bien, chose, par, par pas, rapport à ouais. Alors, Alors après, là, j'ai regardé un peu les images de la com qu'ils ont fait contre leur dernier match. C'était contre euh, qui on... J'ai perdu euh, le dernier match de Coupe là, de ce week-end. Euh, C'est un nom... Hollingen. Hollingen. Dit... Voilà, Hollingen. Et donc, du coup, euh, voilà, ils ont marqué un peu la com, euh, la d'honneur et tout, mais tu me disais, en off, ah, qu'ils avaient fait la d'honneur à Pico aussi. Ils ont fait la, la haie d'honneur à Pico. Euh, ensuite, du fait que le match euh, soit inversé, donc euh, moins de temps pour préparer, mm -hmm. mais euh, moi qui suis euh, à l'intérieur de l'organisation, euh, je veux dire que euh, Nilvenge a été bien reçu, comme des pros. Eux, à la fin, le, fin ils l'ont dit. Hein, Très bien reçu, c'était un rêve pour eux, je pense qu'ils n'auront pas là une deuxième chance comme ça. Donc après, c'est pour ça, pour moi, je pense que c'est une polémique inutile. On connaît les supporters anciens, ils sont ouais. <laughs> des fois ils sont durs, très très durs. Mais quand tu gagnes 17-0 contre une équipe, voilà, s'ils avaient gagné 2-0, je comprends, mais là tu gagnes 17-0, tu respectes l'adversaire, mm -hmm. uh, 2600 spectateurs. Incroyable, uh, c'est bon hein. C'est beau, c'est beau. Ouais. Donc, ouais. Moi, voilà. Et leur... Ils ont Désolé, leur... Leur, leur recette aussi. Ils la, la recette. Ils ont avec la recette. Ouais. La recette ouais. Ouais. Le, bah, le dernier est match, est pareil, là, ils avaient un peu aussi tourné. Hein. Il y avait des réservistes, il y avait aussi des joueurs euh, qui n'étaient pas souvent dans le groupe aussi. Là, le dernier match, ils ont fait la équipe mixte. Ouais, euh, ouais. quartier a décidé de faire parce que comme ils jouent euh, vendredi, voilà, pour pas que certains joueurs euh, manquent de temps de jeu. Et puis on ne sait jamais. Hein. Tu joues sur un terrain, euh, tu joues chez eux, euh, à l'extérieur, petit terrain, compliqué. Tu ne peux pas jouer une touche de balle. Donc, il fallait mettre un peu quand même des mecs d'expérience. Mmh. Parce que les jeunes, euh, c'est des jeunes. Hein. Bien sûr. Donc, euh, il suffit de voir l'année dernière, je crois que c'était le euh, Grand Couronné qui avait éliminé la réserve. Incroyable. Mmh. Donc, mmh. à partir de J là. C'est non Ouais, c'est pareil, non ouais. ouais. Et puis, ils étaient tombés aussi contre Punois en Coupe du Grand Est. Ah, voilà, ouais, c'est ouais. ça, c'est ça. C'est ça. Fait ça. ça. Ouais. ça. Et je sais qu'il les a sortis. Je sais plus c'est l'année dernière ou l'année d'avant, mais bon. Voilà. Euh, voilà. Donc, il fallait mettre un peu, un peu d'expérience. Et puis, pareil, la logique a été respectée. Et puis, entre les deux, tu as ce match de championnat. Ouais, perds, avec une défaite à tu à Châteauroux, châteauroux 3-1. Ouais. Un peu un peu compliqué, un peu compliqué parce qu'à la mi-temps, tu peux tu peux perdre 5 à 0 et au final tu mets le premier but, tu mènes à 0 et après tu fais des cadeaux. Mais je crois que c'est en ce moment, il y a pas mal d'équipes euh, qui perdent des matchs en faisant beaucoup de cadeaux. Il y a eu Nantes en Coupe d'Europe euh, sur les quatre buts, ils donnent trois cadeaux. Nancy, ça a été la même chose. Et puis dans l'impact, après pour le moment, on peut dire que voilà, ils sont pas du tout dans les objectifs attendus quoi. Nancy <laughs> Le championnat va être serré. Mmh. On en parlait la dernière fois quand je suis venu. Le championnat va être serré. T'es qu'à 6 points du leader. Euh, tout est possible. Euh, le groupe est là, le groupe est présent. Un accident, ça peut arriver. Ouais, ouais, en amateur ouais. ou en pro. Moi j'y crois. Je connais le groupe, je connais le staff. Euh, je pense qu'à la fin de la saison, on aura une bonne surprise. Mmh. Euh, je, je voulais poser une petite question, Chris. Est-ce est ouais. est qu'on a on n'a pas peur de retrouver la SNL de, de l'année dernière Tu sais, les fins de match ou... Où... Ou à la fin, moi, je, 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 les, avais, je les avais laissés à 1-0. Je me suis dit, allez, ah, ils, vont, ils vont dérouler. Mm. Je leur appuie, je vois 3-1. Je me suis dit, mais non. Ouais, c est, c est... Tu vois ce que je veux dire Parce que justement, <laughs> tu je... parlais de manque d'expérience, de jeunesse. Il n'y a pas un peu de ça Un peu de fatigue aussi Il ouais. y, y a un peu de tout, un un peu de tout. Et puis, tu fais ton château rouge Deux tours deux de coupe de D2, R3. Euh... T'as ah. un, un effectif quand même. T'as un effectif, t'as un Nancy. Donc il ne faut, pour moi, il faut tu... pas oublier que Châteauroux, l'année dernière, c'est le plus gros budget de National. Cette année, ils ont un gros budget. C'est une équipe qui a été rachetée par des Saoudiens. Oui. Euh, C'était deux grosses équipes. Châteauroux a gagné la première manche. Je pense que Nancy gagnera la deuxième. Et puis, on verra à la fin qui sera en haut du, du podium. Inch'Allah comme on dit ouais, voilà. Un <laughs> <Ça> fait pareil. <laughs> Justement, belle passe décisive, Salah. On va rentrer dans le vif du sujet de cette Coupe de France, puisqu'on a hein, Farid, on a deux qualifiés, enfin en tout cas un qualifié ennemi, on va dire Jérémy. Hein on attend la réponse on attend non là. mais non deux qualifiés on mais espère non. on non, pose non. les doigts allez on va être optimiste être. on va mais dire deux qualifiés ce serait un, sera un scandale c'est ouais. comme si Lewandowski avait le ballon d'or de toute manière c'est euh, ouais, un on parle nous, ballon d'or voilà <laughs> n'oublions pas que on va le préciser à nos auditeurs hein, nous sommes lundi soir oh, non, on oui. enregistre oui. pour demain Tout le mardi à l'heure où on vous parle ça là le, tu peux le montrer à, à, au maillot on voilà. le voit ou pas ouais on le, le voit. Voilà. On, on le voit Karim Benzema <laughs> ballon d'or <laughs> <d 'or. rire> voilà. il rentre en France il rentre en France on a le, voilà on n'a pas le résultat du, du ballon d'or mais euh, ouais, ouais, on, on a notre favori quand même on... comme ça sera si, euh, un scandale là quand même non ça sera <laughs> un scandale ouais, ouais, c'est comme si les cours ne passait pas ce tour là donc on a deux qualifiés pour le septième tour et franchement c'est magnifique donc tout d'abord félicitations à vous et à votre équipe on va revenir sur ces matchs de coupe de France, donc on va vous demander de, de développer la rencontre. Hein. On va commencer par euh, la remontada de, de Villiers parce que mener 2 à 0, c'est ça, Kevin, hein, sur est le des, match. 2 ouais, à 0, à 70e en gros. Ouais, euh, ouais donc c'est pas mal. Tu peux nous vrai. raconter un peu ce déroulement, euh, nous faire un peu le décor de l'ambiance et tout. Décor, euh... c'était une belle fête. Il ouais. y avait tous les jeunes du club qui étaient invités, il y avait les féminines qui sont rentrées avec nous sur oui. le oui. terrain, il y avait mmh. euh, beaucoup de monde, pas comme à l'habitude à Villiers mmh. Vous euh, avez joué sur le synthé. Hein. On a joué sur le synthé. C'est vrai qu'en général, il n'y a pas beaucoup de monde chez nous. Mais, euh, mais là, on avait, fait, on avait prévu pour faire une belle fête. C'était dû aux conditions météo Parce qu'on sait qu'il y, y a quand même la, la tribune. Non, en fait, le terrain vert, il est refait, il sera prêt au il mois de mars. Refait. En fait, on a refait tout le, tout le terrain et il sera seulement prêt au mois de mars, donc on ne peut pas jouer encore dessus. D'accord, ok. Bon. Donc on on s'il passe encore certains tours, on devra et sera euh, obligé de se délocaliser. C'est ça ça, bon, Marcel Picot peut-être va se prêter un terrain. Ouais, peut-être. Il faut négocier avec Farid. Non ouais, on, va avec Farid. on va, on va là, faire un appel à la radio. Bien sûr, je fais de la pour vous, <laughs> les gars. Hein. Merci à ça. Un resto après l'émission. <laughs> on va tous aller chez Mamie Branchée. <laughs> Allez, <laughs> c'est pas on tout. Allez, c'est bandit. Et donc, du coup, ouais, non, belle ambiance. C'était une... Ouais, une belle ambiance. Après, on a, on a eu du mal à rentrer dans notre match. La première mi-temps a été, a été très compliquée. On a un penalty à la, la 25 e euh, qui transforme bien. Et, euh, et voilà, on a essayé de pousser en deuxième mi-temps. On a fait une erreur d'ailleurs, c'est moi qui l'a fait. Et il y a un pénalty derrière. Donc il y a, a 2-0, de pénalty. Et malgré ça, on y croyait. Et, euh, et voilà, on a, on a marqué le premier but sur, co sur coup de pied arrêté. C'est Corentin Zvillers qui l'a donne à Maxime. Mm -hmm. et, euh, et puis Baptiste, Baptiste qui nous sauve à la, la 85e. Et on a la balle de match deux minutes plus tard euh, par ah, Manzone. Et le gardien a fait une parade ouais. extraordinaire. Puis après, de toute façon, c'est les pénaltys, hein. mais on est passé deux fois, c'était la troisième fois là au pénalty, donc, euh, donc voilà, c'est bien c'est bien pour le club, c'est bien pour tout le monde. Mais comme et on dit, jamais 304, hein. exactement, ouais. on le dit souvent. Ça, ah bon, oui. je savais pas, puis après 4, 405, <laughs> et puis, je découvre tout, <laughs> c'est bon, moi, ça, ça peut aller loin. Non, voilà, c'était une belle fête. <laughs> non, moi, temps, je voulais mais... savoir, Jesse, vous dit quoi à la mi-temps quand vous êtes mené, Jesse nous arrache. Ouais. Parce que parce qu'on n'est pas rentré dans notre match et, et on jouait pas euh, on jouait pas notre football donc il était pas content euh, pas qu'on perde mais que comment on mette pas les ingrédients pour y arriver ouais. ouais, sans regret quoi. Euh, voilà en, ça, en, en fait, fait euh, le sixième tour de coupe de France avec le monde qui avait qu'on demandait toute l'année d'avoir du monde euh, à un moment donné il faut avoir ses responsabilités il faut, faut jouer au foot quoi donc euh, eux ils ont ils ont joué leur coup ils ont marqué vite ils ont ils avaient des très belles joueurs. En face, ouais. ils avaient des très bons joueurs ouais, ils ouais. avaient leur 11 qui était très fort euh, Amraoui Ouais, ah, Qui qu a, qu a joué, beaucoup plus au très très, très, très merde, bon ouais. joueur. Euh, <laughs> voilà, ils, ils, pas, avaient, ils pas, avaient, Pas la leurs joueuse arguments. du PSG. Ça, ah, <laughs> ils avaient leurs arguments malgré tout. Voilà, ils, ils ont dit de jouer et on a joué. Et, et en deuxième mi-temps, ça a payé, c'est bien. Ah, bien. Okay. Et je voulais poser une question. Vous étiez prêt donc psychologiquement. Mais au niveau euh, du projet capillaires, vous en étiez où Parce que je sais qu'on prépare aussi un match capillairement. Clairement, hein <laughs> ouais. ça allait. Il y en qui étaient un peu plus fatigués que d'autres. Je, mais... <laughs> ça, je pense aussi. <laughs> je disais, on joue, on est beau, bon, on se regarde jouer. Il <laughs> euh, y a eu un peu de mouvement cet été, notamment l'arrivée d'un joueur d'expérience. Hein, on en avait parlé, euh, qui était aussi, qui faisait partie du All-Star aussi, Kevin Rolland. Mm. Euh, il, il apporte aussi... Euh, comme toi, l'expérience que tu peux aussi apporter euh, dans, ces, dans ces tours de Coupe de France qui, qui sont vachement importants de, pour les jeunes, de vraiment de stabiliser, de canaliser un peu l'événement. Oui, bah c'est clair qu'à 2-0, à quand on prend le penalty, il y en a 2-3 qui ont dit ⁇ ça y est, c'est fini ⁇ Et on leur a dit ⁇ non, non, c'est pas fini, on va marquer, il va rester après 10 minutes. Et, et c'est exactement ce qui s'est passé. Non, ce qu'il apporte surtout, c'est de la sérénité au milieu de terrain qu'on qu avait, qu avait un peu moins. Et puis, euh, et puis les petites fautes d'intelligence, enfin, ah bah ce qui va, être. va être. On, on le connaît, vous connaissez ah, le connaissez peut-être, pas mieux que moi, oui, mais oui, vous on le vous connaissez. Aussi. Il apporte surtout de la maturité et puis, euh, et puis de l'envie que, que des fois, bah, quand on perd un 0 ou quand, euh, quand le match est serré, ça fait du bien d'avoir des gens comme ça. Un dernier mot sur la séance des tirs au but hum. T'as tiré Ouais. ouais Cinquième, j'ai marqué. Ouais, Lulu Sera. non Non, non. Plat du pied. Ouais, plat du pied, sécurité. C'est pas la barre. <laughs> C'est l'équipe d'en face qui a tapé la barre. Pas ah ouais. bien. Euh, tu jouais euh, avec euh, des chaussures de sécurité <laughs> tu Ouais, avec des Mizuno à l'ancienne. Ah, bien ça <laughs> La canne. D'accord, bah encore félicitations, Merci. Kevin. Ah. Hein, on va suivre euh, le tirage. Ah, euh, T'espères quoi Encore une équipe, euh, on va dire, à, à votre niveau, à votre portée Ou alors. Euh, voilà, une équipe un peu plus upée, une équipe pro. De ouais, toute façon, ça on, va, sachant que vous êtes sortir tête... aujourd'hui, vaut mieux de taper un gros. Bien sûr. Après, euh, si c'est une R1, on ira, on ira faire ce qu'il faut. Après, euh, c'est le tirage, on verra bien mercredi et puis on va se préparer mmh. pour, euh, pour essayer de faire quelque chose malgré tout. Euh, c'est 90 minutes, on peut aller au penalty, n'y a pas de prolongation. Tu as une préférence au tirage Franchement, Nancy ou c'est très bien. Ouais. Ok. Messe faire de préférence. qu'à la main longue. On ne sait jamais. Un petit coup de fil à la ligue. Non, mais ça pico, ce serait bien. Ah ouais, mais ça ce ouais. serait, serait énorme. Ce euh, serait bien pour la région. Serait... Ça serait là, bon là s'il si, si y a ça, magnifique. on délocalise le studio. Les gars. Avec grand plaisir. Farid, ah, ouais, ah, ah, tu ah, nous ah, réserves ah, une petite ah, salle ah, à pico ah, euh, ah, avec des petits toasts. Je te donne les contacts. ça C'est avec grand plaisir, oui. ça ne seras maître de cérémonie. Non, commentateur, Hassan. Incroyable Ok, on va passer à ce match de cours Ucange hein, qui avait okay. lieu euh, à l'Ambany. Euh, voilà, victoire 3 buts à 1 à la 88e. Hein, voilà, mais je pense que c'était... Quoique, on peut toujours remonter. Hein. Villiers l'a fait de, de deux buts, mais bon, il restait quand même peu de temps. Euh, vous maîtrisiez le match quand ce, le match a été arrêté En deuxième mi-temps, on, on a bien maîtrisé le match. Ouais, parce mm -hmm. que en première, euh, on va dire qu'il y a eu une mi-temps chacun. pour okay. chaque équipe et euh, en deuxième mi-temps, on a su revenir parce qu'on perdait un 0 à la mi-temps. Mmh. Et après, voilà, on a réussi à revenir, à marquer un but euh, dès l'entame de la deuxième mi-temps. Il y a eu des changements tactiques de la part de Sébastien Billon ou des remplacements à la mi-temps ou... Non, il n'y a pas eu de remplacement, il n'y a pas eu de changement tactique. Un, euh, ouais, ouais. un autre état d'esprit alors euh, Ouais, c'est carrément un autre état d'esprit. On a repensé au match de Lunéville en Coupe de France aussi, mmh. où on perd 1-0 à la mi-temps et puis au final, on gagne 2-1. Et euh, là, on a essayé de faire la même chose. Euh, et puis après, euh, voilà, le gardien adverse nous a bien aidés aussi. Il a fait une petite erreur sur le premier but. Mmh. Donc ça nous remet dedans direct, en fait. Mmh. Puis après, on a continué à pousser, continué à pousser. Et puis euh, le deuxième est venu et le troisième. D'accord, ok. On a raté et... un pénalty, non Vous avez raté un pénalty Et après. on a raté un pénalty à la ouais. À, à, ouais, à 30e minute. Ouais, ouais c'est ça. Mmh. Ouais. Est-ce que c'était est est... est est... est un match à votre portée Oui, oui, oui. oui. D'accord. Dans l'ensemble du match, tu dans... dis dans... ça ou dans déjà d'entrée. Euh... Enfin, Après, euh, le tour précédent était plus dur à Bar-le-Duc Le tour précédent à Bar-le-Duc, euh, on a eu quand même pas mal d'occasions. Euh, C'est bizarre de dire ça, mais. On euh, le rappelle, hein, ça, ça, ça se fait duc 0-0, on ouais. a été au tir au but, mais j'ai pas eu un seul arrêt à faire. Contre Bar-le-Duc, j'ai pas eu vraiment. J rien, à part des sorties aériennes, j'ai rien fait d'autre. Ouais. Et même à la séance de pénalty, euh, on gagne, je touche pas une fois le ballon. <laughs> Ouais, ouais. j'ai gagné il marque bah ouais. les trois derniers il y, y frais, il y a eu que des photos raconté. sur lui des gros plans sur <laughs> lui non, genre limite il y avait ouais. non, en, en fait euh... il a fait zéro arrêt et en fait ça. il n'a pas touché la balle tout le monde croyait que j'avais arrêté un, un penalty ou deux mais euh, non non je... Ah, ça, de l je touche pas une seule fois la balle et il tire deux fois côté c'est peut-être pas de danse raison. comme euh, ils disent tout pour les photos ma poule comme toi t'as l'honnêteté de le reconnaître oui non mais pour ceux qui regardaient un peu le résumé photo c'est vrai qu'on aurait pu croire que tu avais 2-3 ah bah Tout le monde hein. m'a dit le lendemain, tu un pénalty. Non, non, c'est euh... un ami à toi, le photographe. Hein non, même pas, <laughs> non, même pas. Non, même <laughs> pas. D'accord. Bon, on va être obligé comme euh, d'en parler un peu. Avant ça, euh, on sait que ECOR a bien recruté aussi à la trêve, dont toi qui arrive de Éclaron, c'est ça Éclaron, c'est ouais, ça. Voilà. C'est ah ouais. hein ouais. en Grèce, non <laughs> Pas, <laughs> presque, pas, loin, pas loin, pas loin, C'est loin. C'est loin. Loin, loin quand même. Hein. <laughs> est de, Grèce, On hein. est derrière Saint-Dizier, donc c'est très loin. <laughs> ouais, là, derrière de ouais. euh, donc, tu euh... peux nous expliquer déjà comment tu, voilà, comment tu débarques à Echo euh... bah, par, euh, par Jamel Marzoug. Mm -hmm. Il savait que moi je voulais partir euh, de Éclaron. Mm -hmm. C'est ça, c'est un peu mal passé. Et euh, je vais m'arrêter avant, avant, avant la fin de la saison. Et lui savait qu'il arrêtait, quoi, du coup. Donc euh... Et lui savait qu'il arrêtait aussi. <laughs> Mais tu, euh... tu voulais arrêter à cause de, des trajets ou... Un peu des deux, ouais. les trajets, et puis par rapport à des trucs qui se sont passés là-haut. Et puis euh, du coup, bah, Jamel Marzouk m'a contacté et puis, euh, bah, tu après, peux euh... des... tu peux donner des infos. C'est loin avec <laughs> ah, Si jamais... tu veux, je suis pas sûr qu'on aimait là-bas. Donc, j'ai euh, <laughs> que... envie de te dire. Je <laughs> bah, peux bah, même après, ta clé, si <laughs> tu veux. Après, il y a Jamel qui m'a appelé, sachant qu'il y avait déjà un gardien en place, Nicolas Potier. Mm -hmm. Très bon, gardien, déjà, ouais, très bon gardien. Ouais, ouais, très jeune, mmh. très bon gardien. Très bon gardien. Mais c'est bien, ça fait une belle concurrence. Et on sait très bien que la concurrence, euh, ça, amène à... ça amène à être meilleur. Donc, mmh. euh, c'est parfait. D'accord. Euh, tu peux juste revenir. Euh, voilà. Alors, je sais qu'on va rester prudent, parce qu'il n'y a pas le, mmh. le résultat qui est, qui est à cette heure-ci. Euh, on ne connaît pas le, voilà, la commission de, qui va se pencher dessus. Mais... Tu peux juste nous expliquer ce, qu -ce qui s'est passé pour l'arrêt du match, euh, concrètement, de toi de ce que tu vois hein. voilà. bah, Tout simplement, on marque le, on marque le deuxième but. Euh, tu as les supporters qui commençaient déjà un peu à crier. Elle n'est pas bien et puis du coup on remarque le troisième but et à partir du moment là donc c'est entre, ont... entre supporters entre voilà, supporters voilà. ouais. ah oui les joueurs franchement les joueurs du camp je c'est retour... rien... le retour c'est le retour que j'ai eu ça s'est très très bien passé sur le ah oui, oui franchement ouais. c'était un... vraiment un beau match et vu, vu de l'extérieur ce qu'on m'a dit les supporters m'ont mmh. dit franchement c'était un... un très beau match et les joueurs du camp je... rien à dire euh, respectueux et tout après voilà c'est supporters c'est une fois qu'on a marqué le troisième but euh ils sont partis en cacahuète quoi. Mmh. Mauvais joueur quoi, pas de fair play. Mmh. Pas du tout. Ils ont Alors... gâché, ils gâché la fête quoi. Ah, complètement, parce que nous euh, on avait envie de faire la fête après le match. Euh, on avait envie de, de vrai, la victoire, de célébrer victoire, et tout ça. Bah ouais. Et puis. Au final, ils ont gâché le, mais, le match. Est-ce qu'il y fait, avait quoi. un système de sécurité qui a été mis en place Il y avait un système de sécurité. Euh, on avait mis entre 20 et 30 bénévoles euh, ouais, autour du terrain. Il y avait Jean-Claude Je crois qu'il y avait Jean-Claude mais effectivement. <laughs> mais je tiens à mettre une parenthèse. C'est que je connais euh, deux trois personnes de Ucange. Et euh, M. Moust Moustapha Badis, qui s'occupe de tout ce qui est médical là-bas, m'a dit oui. qu'il euh, n'était pas responsable de ce qui s'est passé. Parce que le président Skander, il vient avec son équipe. Ah mais est ce les, dit. les personnes qui arrivent derrière, après lui, en fait, ils sont venus en bus. Oui, mais ça, les mais supporters, dire... en fait, les supporters doivent comprendre que quand ils agissent comme ça, ils mettent à mal leur club. Totalement. Parce oui. que le club, comme tu dis, il se défend, il a, à juste titre. Lui, il vient avec ses joueurs, il est responsable de ses joueurs. Mais les mecs qui viennent supporter, ils grangent. Malheureusement ils sont là pour ukange donc ça va pénaliser le club je, je... il faut, il faut qu'ils le comprennent ouais, les gars oui. qui agissent comme ça ah, on a eu la Après, même chose avec les Afmès cette année nous. oui c'est ce que j'allais rebondir Kevin il s'est passé ouais. ça euh, enfin, on a eu eu peu, de toute façon il n'y a, a pas grand monde qui vient et le peu qui vient c'est des gens c'est des parents des... et on a eu exactement le même schéma et en plus il gagnait 1-0 et ils restait que 10 minutes et le match est là à c'est dommage pour eux, mais c'est vrai que. Après, à 3-1 à la 88 e s'ils ne leur mettent à rejouer. Un scandale, non Apparemment, la politique dans ce moment, c'est match à rejouer. Pour tous les systèmes les Parce qu'à la Ligue, ils ne prendraient pas de risque. Mais c'est trop compliqué. Nous, aujourd'hui, ils nous demandent de mettre de la sécurité. Où est-ce qu'en France, tu as de la sécurité en R2, même en R1, tu même poussé en National 3 tu peux pas mettre un système de sécurité un vigile. Là, d'après les infos qu'on a aussi, on parle d'armes blanches. Après, là, c'est les réseaux. Et voilà, c'est ça. Nous, c'est que des sous-entendus. Donc, on a pas les vraies infos. Mais bon, c'est revenu, beaucoup sur les réseaux. À un moment donné, même si on met des vigiles ou des stadiers, voilà quoi, tu vois. Les bénévoles, les mecs qui viennent prendre un gros couteau, même en pro, des fois, ça part en cacahuète, ça arrive pas les arrêter. après du fait que le 7 7e et le 8 8e tour doivent être joués avant la Coupe du Monde. Je ne pense pas qu'ils auront le temps de refaire le match. Hein. C'est dans 15 jours. Oui, c'est oui, pas, ils pas faux aussi. C'est l'équipe de Ligue 2. Oui, ils n'ont non, pas le temps de refaire le match. On est à la 88ème. Tu vois ce que je veux dire Alors, ah, Le match à, il est pire. On serait à la 30ème. il n'y a pas 0-0. Il n'y a pas 1-0. Il y a 3-1. La 3 à la 88ème. Non, mais ce serait un scandale. On va. Faire la petite pause musicale, Hassan, avec toi. <laughs> Je te prends de cours. Euh, mmh. Excuse-moi, euh, Est-ce que tu et... nous as mis une musique à toi, Hassan, Hassan. Oui, oui, oui. Obligé. <laughs> ah, Juste avant ça, on... ça va nous laisser le temps, <laughs> Hassan, de... <laughs> de prévoir la suite. <laughs> de se préparer. On rappelle que Pierre n'est pas là aujourd'hui. Hein, oui, c'est du, du coup la première d'Hassan qui t'est qui m'avait dit ok dans la journée, oui, mais oui. Euh, voilà, oh, Tranquille voilà. les mecs, j'assure, ça va très bien. Hein. C'est du freestyle. C'est du freestyle, On vous connaissez. C'est ah. toujours un plaisir de, de <laughs> recevoir Follet. Hassan dans, dans <laughs> Top Show. Euh, D'ailleurs, on, on s'était vu cet été au All-Star. Totalement. Et, euh, et euh, voilà, on va pas le cacher. On, on va sûrement se revoir pour des projets en, en, en collaboration avec Top Foot 54. Totalement. Et tu l'as vu au All-Star pour... parce que moi je l'ai vu à la canne. Moi, eh hey mec, qu'est-ce que tu es en train de raconter <laughs> Moi je l'ai vu à la canne, personnellement. Alors, je je sais pas toi, mais. Je l'ai vu, mais après, c'est vrai que je le cherchais parce que j'étais arrivé sur maillot Moi je suis arrivé le samedi, il était chaud et tout, micro ouais, à ouais. la canne et tout. <laughs> ah, voilà. Mais on peut pas. Être à deux, moi, je, à deux moi, endroits j en même moulin. temps. Moi, je hein. ne dis rien parce que j'ai une dent contre Hassan. Okay, C'est à ce moment-là que je vais couper les micros. <laughs> donc, on se retrouvera en deuxième partie d'émission, euh, Salah et Farid, avec vos questions pour les invités. Hein, et on terminera pété. par un, un quiz euh, que tu nous as préparé. Donc, euh, voilà, je ne sais pas, je vais choisir Jérémy, Kevin, je vais voir pendant la pause euh, qui a le Problème. plus de questions. <laughs> parce que Farid. Je, je, et je, je du, niveau, je il y a l'arbre à pense. Et, et Hassan niveau. va pouvoir jouer aussi ah. ah, d'accord okay. voilà allez à tout de à suite à tout de suite. 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 suite ok petite pause musicale sur Top Show vous êtes sur Fadjet 94.2 je balance un petit son tranquille de Michael Jackson c'est parti les gars Oh, but I was too blind to see that you seduce every man. This time you won't seduce me. Nous sommes de retour sur Radio Fadjet, le top show, avec 100% foot? pas remis des Si, je suis voilà, t'inquiète pas, je voulais micro. parler prendre mon il temps. micro. 100 foot amateur euh, Hassan, voilà, c'est ça. L'émission 100 foot amateur. Tu as craque Hassan, hein. ou quoi Non, pas du tout mec. Il est, <laughs> est j'ai de l'eau dans le dos. <laughs> Faut dire que il y a quand même euh, on s'est fait surprendre par le cette euh, Pierre vers, Damer. cette version remixée <laughs> de Michael Jackson <laughs> qui était complètement euh, <laughs> popélope. <laughs> <laughs> bon, c'est parti, j'arrête Allez, on passe à la deuxième partie euh, de l'émission avec, euh, avec nos chroniqueurs. Hein, euh, voilà, et vous allez passer sur le grill des questions, messieurs, pour apprendre à plus vous oh connaître sur votre clim, parcours bon. et aussi sur les questions. Euh, donc du coup, concernant vos clubs, hein, euh, Salah, mm. n'hésite pas à revenir aussi sur le début de championnat de, des cours et de Vidal. Ouais. D'accord. Et puis euh, allez-y. Allez Allez-y, messieurs. Allez, je <laughs> je vais bien laisser euh, Farid euh, débuter et composer qu ses questions. Il y en a des pas mal sur, euh, sur Kevin. Bah, ouais. Première question simple on, on va essayer de connaître un peu mieux nos, nos invités. Kevin, ton parcours de, de footballeur Parcours de footballeur j'ai été à Vendeuve jusqu'à jusque 11-12 ans. Euh, j'ai intégré après la Nancy-Lorraine jusqu'à 17 ans. J'ai fait les centres de formation. Tu aussi et, et je suis sorti du centre, du centre de formation et je suis retourné à Vendôme avec mon frère, avec, euh, avec Sébastien Modica, avec voilà, pas mal de monde. Et, euh, et l'année où on est descendu, je suis parti un an à Champignol. Après, j'ai fait un an à Lunéville. Et après, euh, j'ai dû arrêter euh, pour, des raisons, euh, pour des raisons professionnelles. J'avais plus forcément le temps de m'entraîner. Donc, euh, j'ai arrêté à peu près six mois. Et c'est là que bah, j'ai intégré euh, les, le, le sport loisir avec. Euh, Farid Hassan entre autres, où j'ai passé des très bonnes années pardon, et donc j'ai repris il y a 4 ans à Villiers avec avec Jess et Saber, et c'est là que qu'on a repris le du foot. Voilà. D'accord. Merci Kevin, Jérémy même question. moi j'ai commencé à Saint Max, j'ai commencé à l'âge de cinq ans, j'ai fait une douzaine d'années à Saint Max. Après je suis parti sur Sechans, j'ai fait 6 années aussi. Euh, et après je suis parti, je suis reparti une année à Saint Max, euh, à l'époque euh, des VRL et d'Acosta. Mmh. Euh, après je suis parti à Arouet pour 6 euh, ans. Ok. Ouais. Tu peux <laughs> me rappeler Mais ton récemment. âge J'ai 31 ans. Ah d'accord okay. ok. Et après je suis parti bien. un an à Éclaron et là je reviens euh, sur euh, je reviens en Lorraine euh, sur ouais, t -t es resté quand même pas mal de temps à, à roué 6 ans ouais. ouais, ouais. Ouais, et j'ai vécu une montée avec eux, euh, historique pour le club. Un sixième tour de Coupe de France Un sixième tour de Coupe de France mmh. euh, contre Lunéville et... et Pinal. Et Pinal, ouais. Et ouais, Pinal cool. où on se prend un, un beau 7-0. <laughs> C'était oh. sur votre terrain Sur notre terrain, oui. Ah, c'est carré. Ah, c'est le plus chaud. beau terrain de Lorraine. Sur des journées période. Et pas le plus gras. <laughs> c'est toujours compliqué d'aller ah, gagner à... Ah ouais, c'est un, ah, un enfer. C'est un enfer. C'est un enfer. Et donc euh, là, voilà, je, je reviens en Lorraine à euh, Icourt. D'accord. Bah, merci euh, merci Jérémy. Alors, on va continuer dans les questions sympathiques. Euh, Kevin, <laughs> l'organigramme or, oui. du, du ah. Cosville parce que bon les gens ah, pas bien savoir corps, aussi, euh, euh, qui se cache derrière le club, euh, leurs différentes fonctions. Euh, bah, qui se cache derrière le club, il y a un président comme partout, un directeur technique. Euh, il y a Sadek qui est dans la coordination un peu du groupe senior, Saber qui s'occupe de la B et Jéssille la, la première. D'accord ok. Jérémy au niveau euh, des cours un peu au niveau du après ça pas tous les noms hein, non j'ai pas comprends. tous les honnêtement ouais, non j'ai pas vu, tous les le noms son... euh, c'est normal tu ta as ta année euh... Euh... cette année bah, pareil président euh, Levic et euh... après non je connais pas tout le monde tout le monde par cœur euh... d'accord parce que moi j'ai un ami je pense qui fait partie du staff Vincent Lomenier euh, Vincent euh... Lomenier ouais c'est vrai qu'on a pas mal d'anciens joueurs ou de joueurs encore qui jouent en B ou en C Anto par exemple Anto ouais qui sont qui est sont... entraîneur préparateur physique euh, Pierre Vincent, Vincent Lemony euh, qui s'occupe tout ce qui est euh, pour les voyages ou les stages ou trucs comme ça. Il euh, y a aussi euh, euh, Max Beson qui s'occupe euh, oui, des vidéos. Donc, Greg aussi, il, il joue en encore Max Il essaye un il, peu. Essaye. Ah, il essaye. Il, essaye, ouais, un peu. Ouais. il y a du mal, il se fait vieux. Hein. Ouais, déjà, il avait reculé de milieu à derrière. Ouais, ouais, Maintenant, ouais. c'est à la vidéo. <laughs> Maintenant, c'est à la vidéo. Quoi. Attends, c est, c est, attention, attention, Kevin, ce qui t'attend peut-être. <laughs> Kevin, c'est la buvette. Ah, non, non, <laughs> moi, j'arrêterai. Il <laughs> peut continuer encore, c'est cool. <laughs> Et, juste, je rebondis, Farid. Euh, ça t'a fait plaisir de revoir d'anciens joueurs d'Aroué qui signent à Ico hein. on, ah, oui, on a eu Tokusa ah. Surtout, en plus, ouais, mon cousin, j'avais envie de rejouer euh, avec Simona aussi, qui était l'attaquant mmh, mmh, ouais, mmh. de, de Rue mmh. pareil, euh, avec qui j'ai vécu de, de belles saisons aussi. Mais, euh, ouais, mon cousin, j'avais envie de rejouer avec. Je l'avais déjà dit plusieurs fois, et donc là, a c'est un plaisir de rejouer avec. Vas-y, allez-y. C'était juste, une... j'espère que je ne vous ai pas. Animé. Moi, du coup, les gars, j'avais une question. C'est, euh... <laughs> <Voler> une... personnellement, <laughs> chacun, c'est, c'est quel joueur, étant petit, qui vous a inspiré, qui vous a donné envie d'être joueur de foot? envie de... ouais, Kevin, c'est Danny Melo dans Olivier Tom, non Non, en fait, j'ai <laughs> mon grand frère, hein, naturellement. Ouais, avec ouais, avec et, beau, euh, beau, on beau, était tout petit, je l'ai suivi ça. dans tous les dans tous les parcours qu'il a fait, et naturellement, en fait, ça s'est fait. Mon père jouait, bon. mon frère jouait, bien. et on s'est suivis. Enfin euh, voilà, c'était okay, naturel. En fait, j'étais tout le temps dans leur basket quand ils étaient plus grands que moi, donc ça s'est fait naturellement, en fait. Ok. C'est bien ça. C'est beau, c'est hein. Bah grave. Du coup, toi, Moi, c'est un gardien, forcément. Fabien Barthez, ah, Fabien ah, Barthez, ah, c'est les deux premiers gardiens que j'ai. C'est des sacrés gardiens. Ah, c est, c est sacré gardien, ah ouais, c'était très fort à l'époque. Ouais. Ok. Bon, j'ai une question discrète, bon Kevin. <laughs> c'est là ou pas première, première non première question. Ah c'est pas encore là. <laughs> Je veux les coulisses de ton transfert. Comment ça s'est passé les coulisses de mon transfert ouais, À quel Ville. endroit et comment ça s'est ouais, passé en en fait, Ça s'est fait très simplement. Le sport loisir s'est arrêté. D'accord. Ouais. Et, euh, et comme ils savaient que j'allais arrêter, Sadek, Jess et Saber savaient qu'ils que allaient reprendre Viller. Et à la base, à Viller, j'ai signé pour jouer en B avec Ashraf Labrini, Labrini, avec Tekken. Et on est tous partis là-bas pour jouer en B. en fait. À l'origine, c'était ça. C'est une équipe de, on, de copains en B. Et on s'est retrouvés euh, à tous ouais. jouer en première et à ouais. jouer la montée l'année-là. Donc, euh, on a fini. Enfin, l'année s'est terminée... Euh, un match à Trèmerie et après il y a eu le Covid, donc euh, après saison terminée. Mais on était, on était premier tout le long, on s'est fait juste passer devant le... À quel endroit journée, ça s'est fait ça À quel endroit Ah ça, ça fait, fait à la Chicha, hein. vous savez bien. <laughs> voilà, parce que il n'y a, a, a pas de secret ça, il n'y a, <laughs> a pas de problème. Et, et, et toi Jérémy, tes, tes objectifs personnels et collectifs ah, personnel déjà, c'est de prendre le moins de buts possible, déjà, pour commencer. Ouais. Euh, après, euh, avec le groupe, euh, on va pas se mentir, hein, on a vraiment un très 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 bon groupe. On est, mmh. on est déjà franchement déjà tous des potes en si peu de temps. On a, on a, on a vu en, en pré-saison euh, des très belles sorties cohésion. Ah. Oui, sorti cohésion le groupe. On été à à Et moi, c'est ouais. la première fois que, que je vis ça. C'est le stage aussi en Alsace. On voit que dans certains clubs, il y a zéro cohésion. Yeah, tu, du... tu prépares juste, allez, ouais. on ramène des chips de l'Oasis. Yeah. Euh, non, non, les yeah. gars, yeah. Ils... prennent leur doux, dur un le groupe aussi, hein. ouais. C'est pas évident aujourd'hui. Hein. Ah, c'est dur, mais bon. Entre euh... ceux qui veulent surtout avec les nouvelles recrues tout ça. On va rester à la fin de l'entraînement. Franchement, le groupe, il a bien été. Les anciens nous ont très, très bien accueillis. Puis, euh, les jeunes aussi. Euh, donc, euh, bon, là, on est quand même sur deux très gros clubs du secteur et notamment R2 quand même. Bon, et, ouais. et, 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 je suis bien content qu'ils ne soient pas dans le même groupe parce que potentiellement ils peuvent monter les deux. Quoi. Totalement. Oh. Euh, Jérémy, j ai, j ai... vous avez perdu un pari Est-ce que vous avez perdu un pari, Jérémy Non. C'est vrai Apparemment, si, e... <laughs> si, e... si Aïkour est au septième tour, <rire> <rire> les joueurs ah doivent mettre une tenue que tu avais mis au Tomorrowland. Un truc super, super, super en cuir Où c'est torse nu Et on cache J'suis un peu les... Je <laughs> suis vraiment obligé de... Ah ouais des... Ah ouais, ouais. t'as même la photo En fait, on a été aux infos <laughs> Chez oh, tes coéquipiers co Ah <laughs> ouais, Mais carrément, bon. ah les salauds <laughs> Pas de salauds, c'est comme ça, mec Tu, tu, tu remercieras euh... tes coéquipiers ouais, Pas de problème, t'inquiète pas, je le ferai dès demain soir C'est toi sur la photo Bah ouais, il est musclé le bonhomme quand même ah, c'est pas toi sur la photo? C'est moi, c'est ça. Ok, mec! Et du coup, la photo-là, je l'ai vue plusieurs fois accrochée au mur au stage, par exemple. Incroyable! Je l'ai bien foutue de ma gueule. Le football, c'est du chambrage. Ah oui, il en faut, il en faut, il en faut. C'est bien. Il en faut, et c'est comme ça que le groupe se crée, quoi. Super. Bonne ambiance, tout ça. Non, c'est top. Donc, oui, je suis vraiment obligé d'en parler. Non, non, non. C'est pas rentable, on a vu la photo, c'est bon. C'était la virgule. On est au 8ème tour. Merci, Chris. <laughs> Kevin. Je ne vais plus rentrer à la maille branchée. C'est terminé, tu rentres plus. Chris, Chris j'ai la question pour Kevin. C'est là maintenant. C'est un peu. J'ai eu Michel Chrétien au téléphone. Ouais. C'est de la même teneur. On en a parlé, ouais. <laughs> C'est lors du All-Star Game. Ah, le All-Star. Euh, ouais, le All-Star Game. Ouais. Revenons sur cette histoire. Kevin. Voilà. Kevin On Kevin, parle du euh, passé. Kevin qui est dans l'équipe R2, Exactement. il gagne qui... le tournoi. Donc, très belle équipe de R2. Et vu le début de saison, Kevin pourra peut-être revenir en juin prochain. Ah c'est fort probable. Le truc c'est qu'après il y a une finale. Perdu 4-1 par l'équipe R2. Ouais, c'était contre, contre, euh, contre, contre Mal, Voilà, pas, des, des anciens joueurs euh, très de l'équipe. Très très euh, ah, voilà, et encore. Trop je je n'ai pas joué. Oh Finons, ça a annoncé la couleur. Ça a annoncé la couleur. Donc, le match n'est pas encore fini. Il est toujours pas fini d'ailleurs. Il est pas fini, hein. ouais, il reste bien 5 minutes. Hein. <laughs> <laughs> C'est vrai que je, je voulais un peu écourter aussi le match. Non, mais pourquoi, il reste un pourquoi, bon pourquoi le match minutes. il est pas fini Pourquoi le match est pas fini, fini Kevin J'ai mis la pression un bout, à l'arbitre. Bout de souffle. À je à demande de... à l'arbitre <laughs> d'arrêter le match contre des vieux. Il <laughs> y avait 150 ans de moyenne d'âge en face. Ouais. <laughs> A priori, Kevin, avec un genou en moins, elle est trop vite. Ah ouais, là, elle est trop vite. Kevin, mais... pourquoi t'as demandé à l'arbitre d'arrêter le match Parce que j'étais cuit parce que à, à, à sa décharge <laughs> c'est quand même la Et journée la, la plus qu Chaud qu'on a eu. Franchement, il y avait trois blessés, je crois, en plus. Il y en a trois qui se sont blessés en, dans notre groupe. Ouais, c'est vrai que. Chris, ouais, il, 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 a... il a décidé de les faire jouer 5 heures le jour. -là. Ah ouais. Et puis, c'est pas, il faisait 45 degrés. C'est pas c comme, comme s'il si faisait 20 degrés. C 45, c 45 on... degrés. On va revoir un peu le. Et le on concept. faisait synthé vert. Synthé vert, synthé vert synthé. Et ils sont arrivés tout, on frais, 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 tout on beau. Promis, on fera un peu. Mike, il était tout propre. Bien coiffé. Première minute. Il nous a flingué. Il fait un contrôle. pas il couche le goal. Boum à zéro. C'est promis, on fera un peu plus court euh, pour la deuxième édition. Voilà. Pas d'excuses cette fois-ci. Non, il non, n'y aura pas d'excuses. <laughs> franchement, 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 on était cuits. Mais il reste 5 minutes. Ouais. Voilà. <laughs> J'ai mis la pression un peu l'arbitre quand même. <rire> <rire> Jérémy, oh, c'est une question ouais. euh, hors foot. Hein. Dans la vie, marié, t'as une copine En tout cas, c'est une question pour toutes les auditrices. Euh, parce que c'est un beau gosse. Il faut le dire, c'est un beau gosse. Je, pré je précise. Je précise je un bel homme, mais. Je mais... précise je, je rebondis. J'ai oublié de le dire à San euh, en début d'émission. Ouais. Euh, on avait annoncé ça là. C'est vrai. Enfin, vrai. Il y a 15 jours, hein, pour octobre rose, qu'on devait avoir une, un plateau 100% féminin. OK. Or, euh, voilà. Okay. L'organisation est compliquée. Non, non, c'est pas ça. C'est qu'on le fera tout de suite après les vacances. Ouais. Pourquoi Parce que j'ai essuyé des refus. Alors, pas des râteaux, je le présente. Euh, voilà, <laughs> hein. Mais notamment Pauline Marshall que j'avais invitée, puisque je voulais mettre à l'honneur quand même des, des mmh. femmes qui œuvrent pour le football. Bien. Et je pense que ça aurait été bien aussi qu'elle parle que de, de, de son rôle. La Entre oui. autres, hein, j'ai Maud Capitao qui sera peut-être aussi avec nous, la, la gardienne de la SNL. Mmh. Mais, euh, mais donc, du coup, euh, voilà, pour des questions de planning et tout, on fera ça plutôt euh, dans, après les vacances. Voilà. Très bien. Voilà. Par contre, moi, je veux la réponse pour les auditrices. Jérémy Je suis célibataire. Ok, c'est parti, je vais envoyer un jingle à Kajagougou. C'est parti M Mets la photo de tout mon volant dans ce top. Si t'as un peu le sosie à la M-Pokora, ce qui me reste, c'est ça J'ai pas les cheveux blonds encore. Non Les gars, c'est qui le, me le meilleur joueur dans chaque équipe respective, Le meilleur joueur de votre effectif Ça va faire des histoires, ça. Ouais, nous, le meilleur joueur de notre effectif, c'est Baptiste, je pense. Ouais. Qui sort du excellence, c'est propre, très très fort. Dans ouais. l'état d'esprit, c'est un bon gars. Euh, c'est franchement une personne qu'on a découvert. Euh, en fait, il est arrivé sur Nancy euh, l'année dernière et euh, il a fait quelques entraînements euh, dans la région. Personne ne l'a pris et il a atterri chez nous. Euh, on ne sait pas Pouf. comment. Il habite Villers, Il est venu un soir à l'entraînement, mais on a dit mais c'est il faut le faire signer. Quoi. Ouais. Il a fini la fin de saison. Il avait pas le droit de jouer avec nous. Il a joué avec Saber en D2. Il a fait deux matchs. <laughs> Et, et là, il est chez nous. Il est, il est incroyable. Bah, Comment en une, il, une oh, ouais, est, il est imprononçable. Pro, okay. Van, Van Ger, euh... Donc Baptiste, imprononçable. Ouais. D'accord. Mais franchement, <laughs> franchement, il est. C'est vraiment. Euh, C'est un joueur. Euh, C'est un joueur complet. D'accord. Si je peux me le permettre, euh, juste euh, voilà, je, je pose juste une question à nos deux invités. Écourt euh, est cinquième. D'accord. Avec, euh, avec un match en retard. Ouais. Avec un match retard. est quatrième. avec deux matchs orta. Deux matchs, or De De matchs, matchs or voilà. ouais. euh, Vous restez sur deux victoires, il me semble. Exactement, six points. En fait, on points. a eu une défaite, mais on a un match à rejouer. Oui, voilà. Ouais. Et euh, Jérémy, vous restez sur un nul, il me on semble. À l'une <laughs> <Enfin rire> <laughs> 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 L'objectif c'est de vos coachs, de votre club, la de votre président la en non, début non, de saison. Je suis pas sûr que ce soit la montée, on a on a Mani qui qui est quand même il met 5 buts par match et on a Oboro qui a des budgets que ouais. je pense que même certains clubs de N3 n'ont pas. Donc euh, non, ça va être au moins de prendre des points euh, partout où on peut les prendre et puis on a bien vu l'année dernière en fait quand tu as une équipe qui survole le championnat, c'est toujours compliqué. il y avait 9 maisons qui qui a survolé le championnat, Là, on a récupéré 3 points sur les 6 contre eux, mais c'est vrai qu'après on fait des erreurs de parcours dans la saison. Et en en que quantité que... d'effectifs, euh... ouais, on, est, on est entre 17 et 20 joueurs. Et mmh. je pense qu'aujourd'hui, si vraiment tu veux jouer la montée, il faut être 24-25. Mmh. Et vous, J Jérémy je pense que c'est plus le même si je pense le connaître un peu, il le dira pas à Sève, mais c'est plus la montée. Ça a été voilà bien recruté et court à des places d'honneur quand même les dernières saisons, notamment l'année dernière. Hein. Donc du coup, je pense qu'avec les recrues qu'il y a eu, c'est voilà, Nous, on, on va déjà montée. essayer de se maintenir le plus vite possible. Et ouais, après, après, on va prendre match. Merci match match pour la réponse à la guirou match, match après match. T'es dans top, match, match, es dans top vrai, show, t'es pas dans téléfoot ouais. ici. Et l'équipe, c'est pas ici, <laughs> RMC, c'est pas ici. Non, mais après, pourtant c'est les prendre, trois points. Euh, on va prendre match par match. Et puis, euh, la retourne va tourner. C'est comme Kevin, il faut un effectif assez large quand même pour espérer vraiment quelque chose. Mais là, on est quand même deux clubs qui, tous les ans, finissent dans le haut de tableau en R2. À un moment donné, il va falloir que ça monte. Donc, ouais, pour moi, c'est la montée pour les deux là, équipes. Tu tombes dans, dans un groupe où tu as un, enfin, un bourreau, ça fait l'année dernière, heure, ils doivent monter en fait. En ouais. réalité, quand tu regardes bien oui, le oui, parcours oui, qu'ils ont eu, ils doivent oui, monter mille fois. Là, ils ont recruté 4 ou 5 joueurs. Il y en a qui viennent de. de, de Portugal Ou du Brésil, je sais pas d'où il sort. Ça. Ah, ça va être une source de motivation. <laughs> euh, voilà, après, bon. non, mais tu vois, tu as un match aller-retour à, à jouer, mais sur, sur le, la longueur de la saison, ouais. en plus, on commence à faire un parcours en coupe. Ouais. Au mois de décembre, ça va s'arrêter pendant quasiment deux mois et demi. Tu euh, as quasiment un deuxième championnat qui commence, mmh. en fait. Donc euh, vrai, maintenant, euh, on va essayer de pas perdre chez nous déjà. Avant, ah bon, c'est masqué, quoi. En fait, on va essayer de pas perdre chez nous. Ouais. Ça, c'est le plus important. Et puis mmh. les points à l'extérieur, on va essayer de les prendre le plus vite possible, le plus voilà. Sachant que c'est deux, deux belles équipes. Enfin, Villers, moi je connais parce que c'est mon club. C'est vraiment deux belles équipes. Et Eycourt, pour les avoir vu jouer et puis avoir plein d'appui. C'est pas de jouable. Deux, cours, deux belles équipes, ça joueur. joue bien en ballon. Que ce soit Villers ou Eycourt, franchement, c'est deux, deux très équipes, qui équipes qui jouent euh, très bien, de... bien en ballon. De... Ça, 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 je tenais à le souligner. De R2. Et. Une... De, mais, de, mais de R2... Tu nous as pas répondu sur lequel joueur était le meilleur ah, de ton équipe. Pour moi, là, à l'heure actuelle, c'est Lucas Muller. D'accord. Qui marque encore un coup franc magnifique hier. Ouais. Et ouais pour lui, pour moi c'est lui euh, c'est le meilleur euh, sur les derniers matchs. Kevin, une question. Euh, Kevin Roland, il vient de signer cette année. Qu'est-ce qu'il apporte à l'équipe Parce que bon, avant c'était le capitaine. Là, c'est toi qui es capitaine mmh. Là, c'est comme si vous jouiez avec deux capitaines dans l'équipe, en fait. Ouais, c'est un peu ça, en fait. On... Enfin, le... la question du Brassard, c'est même pas posée, en fait. Il a, il a pas envie et puis il a pas de légitimité aujourd'hui. Tu arri... arrives, puis pas est dans un club. Intelligent, voilà, c'est voilà, ça. Voilà, tu arrives pas dans un club. Et d'ailleurs, on... il en a même pas parlé une non, seule ben seconde. Il oui. y, a... y a même pas de sujet, en fait. Et c'est sûr que par contre, euh, au niveau du groupe, il a tout de suite été, il a tout de suite été intégré, malgré le fait que. Quand as Kevin Roland qui arrive, c'est toujours un petit peu, un petit peu compliqué. Tout le monde le regarde un petit peu du coin de l'œil. en fait, ils se sont tous rendus compte que c'était quelqu'un de très accessible, bah très oui, bien, un bon gars. Euh, et que que les personnes qu'on était sur le terrain, c'était pas du tout les mêmes personnes qu'on était en dehors. Mmh. Et, et je, me, je me, cite aussi dans le lot, hein, c'est que sur le terrain, on est, on est des personnes qui sont. Je l'avais précisé quand on l'a voilà. reçu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Kevin Roland au foot. Mais en fait, c'est un vrai compétiteur qui se transforme sur le terrain. En fait, il faut bien se rendre compte que... Et moi, j'ai toujours... Enfin, j'ai jamais voulu jouer contre lui. Et on a toujours redouté de jouer d'un contre l'autre. Bah c'est oui. qu'on prend chacun, en fait. Bah voilà, c'est ça. Donc, euh, donc voilà, après, il euh, après, faut bien dire que en, dans, dans les 90 minutes que, que tu joues, euh, t'as pas vraiment d'amis. Et puis, euh, et tu es là pour gagner, en fait. Sinon, on reste toujours.. Ah, tu as des mecs, puis... moi comme moi, je sais que... Toi, je rentre sur un terrain pour gagner, mais je reste.. Cool, il y a des mecs qui se transforment. Et, ah mais, et, je, je, et, et ça fait partie de ton cas, ça fait partie du cas de Kevin. On est des comme ça aussi. Il hein. y a des mecs qui le jugent à ça alors qu'ils ne connaissent pas du tout le personnage. Ouais, après, bah, c'est légitime. Quelqu'un que tu connais pas, tu, tu... Ouais. les seules images que tu as de lui, c'est comme ça que tu arrives à le juger. Donc euh, c'est légitime. Après, maintenant, euh, honnêtement, moi je le connais depuis la crème de la crème. Frère, presque 25 ans. Il ah, euh, n'y a pas de... Ouais, c'est un roublard, et puis il a toujours été intelligent dans son jeu. Et, et puis euh, voilà, pour nous en tout cas, c'est important. Très bien. On va passer au quiz, messieurs Maintenant, si ah. vous voulez bien, on est, ouais, on ouais. est bientôt à la le, fin. Le petit quiz. Euh... Donc, les équipes, messieurs, c'est quoi On va jouer. Euh, Allez, moi je vais on jouer, jouer, jouer avec, va faire, euh, euh, avec Jérémy. Trois équipes. Les deux beaux gosses <laughs> je, je plaisante, <laughs> les gars. <laughs> je vais jouer avec Jérémy. Donc, Allez. Toi, tu joues électron libre du coup Je suis électron libre. Si Assan répond bien, il donne le point à l'équipe qui veut. Ok. Okay. Pizza, Donc Les gars, on est sur euh, on est sur la Champions League. Le je veux les Alors, le classement Attends, là faut se concentrer Il y a pas Il y a pas de buzzer, il y a pas de buzzer, c'est mon tout affaire, tout 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 hey, hey. On a Hassan à l'arrière, demande 5... pas le buzzer. Si, si, le oui. classement oui. des 5 meilleurs buteurs dans l'ordre et, et le attends, nombre attends, de buts. Hein le classement du nombre de, de, de le classement des buteurs des 5 meilleurs buteurs de l'histoire de l'histoire de la Champions League. Raoul Raoul combien tiens 3e. Non, premier c'est Ronaldo. Ronaldo premier. premier Ronaldo. Premier Ronaldo. Deuxième, ah, combien de buts Combien de buts Attendez. Si, si on peut déjà avoir ah, les buteurs, c'est bien, non Il y a déjà un point sur Cristiano Ronaldo, premier. Voilà. Et Raoul, eh bien, Raoul, il est Raoul est dans les 5. Raoul est dans les 5. On n'a pas, pas la place. 107 ah, ou 107. Ah oui, il a la place. Euh, la quatrième, place. Raoul Faux. Je ne sais pas si c'est pas ça. Ah, ça ça passe à, à l'autre équipe. Messi, deuxième. Messi, deuxième. Donc ça fait déjà deux points. bah Raoul, cinquième. Voilà, on marque un point. Ah ouais, mais ça fait tous les classements aussi. 2-1. Ça fait 2 hein. Attends, il manque tiré Henri. Benzema. 3ème, Benzema. Benzema, 3ème. Ça fait 3-1 pour l'équipe. Hein, je ne sais pas si mon classement est, est, est à jour. Donc je vous mets. Ah, ah bah, bah sympa, Benzema J'ai belle grise du doute. Mais voilà. voilà. je ah, 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 viens de ah. viens, viens le faire aujourd'hui. On Pour moi, au moi, il l'a fait 5 minutes avant là. Je l'ai fait 5 minutes avant <rire> <rire> de venir. Okay, on... Donc ça voudrait dire qu'il est à jour. <laughs> Merci, Salah, on passe aux cuisines du monde. Donc théoriquement, moi là, j'ai Robert Levandowski, 3ème. Deux j'ai Robert Levante donc, donc, donc Thierry Henry n'est pas dans les 5. Thierry Henry n'est pas dans les 5. Ben 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 non, ah Thierry Henry il n'a pas beaucoup Il, il, il est combien à Thierry Henry Maintenant ouais, j'aimerais ouais, bien dans avoir le nombre de buts joueurs. par joueur. Vous avez Ronaldo, le classement. C'est plus de 100, ça doit être 107. 110. À, 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 à ouais. 5 près les gars. Celui là. qui se rapproche à 5 près. C'est un peu compliqué, <laughs> tu les mets dans la sauce. Mais allez-y si vous arrivez à trouver. Euh, Cristiano Ronaldo combien Combien Cristiano Ronaldo Plus de 100 déjà, c'est sûr. 102. 105. 5 près, c'est celui qui a 5 près 105. Je 105, 105. 107, 108, ouais. 121, 121. Je veux dire 115, comme ça on a la, okay. on a la bonne. Et toi, Jérémy Ouais, je dis 108, ouais. 108, 109. T'as ouais. donné une réponse as dit Ouais, je dit 102, ouais. Voilà, t'as dit 121, 108, 108. 108. 121, 121. Ah, 122, non C'est le plus proche. Bon, on est très loin, c'est 141. Ah, 141. Ouais, ouais. ah ouais, il a. <laughs> ouais. Par contre, tu as déjà plus de matchs, il y a rien question là, en tout. Ouais, euh, non, mais. Il y a euh, 5-1 là au moins déjà. Là, là il, y a, il, y a, il y a. Non, il n'y a 0. pas 5-1. Il y a 3-1. Il y a 3-1. On a trouvé les deux. Il y a 3-1. Moi, j'ai trouvé, a trouvé les deux. 3-3 plus le puteur, ça fait ouais. 4. Ça triche. Bien joué. 121. On est à 4-1, messieurs. Bah, allez, on allez. est sur le allez, nombre allez, allez. de non. titres en C1. Okay. Par club, et combien bah. Le Real Madrid. 13. Alors, Real de mmh. Madrid premier. 13, c'est faux. 14. Ah, oui, mais c'est faux. Ouais, 14. Il a rebondi. 4-2. 5-2. 5-2. Ensuite. Liverpool. Marseille. 1. Liverpool. Liverpool, Alors, Liverpool Combien 6. tième, les gars euh, 7 Ligue des Champions. Non, c'est faux. Ligues, Liverpool. Mais combien 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 bah, tième Combien tième, ah, combien tième euh, Je dirais. Euh... Ok, Ah, <laughs> combien je, je dirais deuxième. deuxième. Non, faux. Putain. Non, deuxième, c'est United. Ah non, United sont loin. C'est Bayern, je crois que c'est le deuxième. deuxième. Bayern, Bayern, deuxième. Milan, deuxième. Ah, Milan, deuxième. Allez. Euh, 4-3, <laughs> les gars. Hein. 4-3. Euh, combien 9. Non. Putain. 5. Non. 6. Non. Ah là, il n'a pas, bah, pas le droit. Attends, c'est lui qu'il a dit oui. Il va dire oui. Et, non, non, la 7. Même. Ouais, voilà. 7. 4-4, les gars. C'est la loterie, en fait. 4-4. Euh, ensuite, troisième. Liverpool. Liverpool. 5-4. C'est qui qui Ils ont 6 titres, non 6 titres 6 titres. Merci, doublé Farid, bien joué. titres. Donc là, on est à 6-5. Donc il reste. Il y a le Bayern, Dominique. Munich. Non, on a dit... non, Le Bayern n'est pas dans le classement. Hein. Le Bayern n'est pas dans le classement. Mmh. Juve. Non, la Juve, ils, ils Non, 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 ouais. euh... <laughs> Je réfléchis. Euh... de regarder par rapport au maillot. On a dit Real, ouais. Liverpool, Munich. Real, Milan, Liverpool. Mmh. Il en reste pas bah, Barça. Euh, pas possible, Barça. Il n'y avait, avait plus rien dans la valise. Barça. 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 <laughs> Pierre, Pierre Barça il n'y avait plus rien dans la valise. <laughs> ils en ont 4, non quatre, ouais. Ils en ils ont 4, Barça. Alors, non, alors, cinq, alors, Barça. Non, 5 Barça. 7-5 et Barça 5. Donc 7-6. Il en reste un. Il en reste un. Un peu euh, plus compliqué à trouver. Hein. Nottingham Forest. Non, c'est pas Porto. C est, c est, c est des euh, Reims. Il n'y a que Marseille qui l'a gagné. Bon ils l'ont payé mais ils ont ben, gagné. En fait. <laughs> <laughs> ben, ont... euh... C'est un club comme ça, c'est un club. C'est un ouais, club c est, c est, dans ce standing-là. Un vieux club. Ouais, un vieux club historique. Il y a eu un grand grand joueur qui est passé dans ce club. Quel Qui a inspiré le football du Barça l'Ajax ah, bien joué l'Ajax là on a 8-5 les gars l'Ajax 3 non il y avait, 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 avait 5-4 il y a 8-5 c'est moi l'armiste <laughs> les gars <laughs> on en pris, est en Afrique c'est moi qui, qui... <laughs> dis à... il y avait un point d'écart on est à la, <laughs> <laughs> la canne je fais ce que <laughs> je veux les gars 3 il y en a non euh, 8, 2 5, 4 4, 4. 8-6 ouais. en fait, ouais, ouais. il ramasse ouais. les miettes ouais, non, mais il vous donne 8-6 il vous donne 2 points 8-6 les gars la Liga. La Ligue 1 qui a gagné le plus de Ligue 1. Les 5 premières. Sachant qu'il qu reste 5 minutes, donc il on minutes. est trois qui. Il Lyon attends. premier. Oh, PSG. Lyon premier, non. PSG. Non. PSG. Non. Alors vous Attends, j'ai pas entendu la question. Les les les, les cinq équipes ont gagné le plus de de Ligue 1 dans l'ordre. PSG, Marseille. PSG. Ouais, PSG. Mais attends, 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 on a le droit d'enchaîner comme ça? Bah, il a dit. Attabillon <laughs> déjà. Ah, oui, D'accord. Après okay. tant que t'as juste, tu continues. Saint-Étienne. Alors attendez. Tant que t'as juste, tu continues. PSG. Il a dit Lyon. Non, à nous. Ah, mais à Dans ce cas, si vous me donnez une équipe comme ça à la volée, il faut ah, me donner le classement, euh, la on va, place. On va, non, on va faire comme Kevin. Vas-y, vas-y. Donne la, le, le club la place. PSG premier. Dès, dès que tu te PSG trompes, premier. Voilà. Dès que tu te trompes, tu changes. Voilà. PSG, PSG, premier. PSG premier. Lyon deuxième. Non. Allez, Marseille deuxième. Marseille deuxième. Enfin, non. En enfin, fait, non. C'est Saint-Etienne qui est deuxième en vrai. Ah, non. Bah. Non. En fait, non. Il y a un premier ex C'est pire que la canne. Ça là, c'est C'est exactement ça. exactement ça. Non, non, ils sont premiers Xeco PSG Saint-Etienne, 10 Ligue 1. Ensuite, c'est Marseille. Ensuite, c'est Marseille. Combien de tièmes Combien de Ligue 1 7. Non. Non, parce que Lyon a déjà 7. Exactement. Bien vu, je sais pas toi t'es supporter Léonide ouais. Hassan il, joue pas, Assa, il joue pas pour nous parce qu'il a 17 tu, tu nous as supposé le truc bien joué Kevin merci bien joué euh, 8 championnats non 9, 9. 9. merci il ouais, si y a 12 si t'enlèves les corrompus il y a 12 il y a 12 il y a 12 ouais mais t'as pas compté celui qui, est, qui a été enlevé ah, ça c'est un commence à Côte-Valenciel ah oui 12-5 celui-là il a été retiré ensuite 3ème enfin 4ème du coup 3e, euh, euh, Race. Non. C'est Lyon. Race, bah, ah, tu veux le placer partout. C'est Lyon. Exactement. Sept. Sept Ligue des Champions. Merci, Jérémy. Merci, Jérémy. Sept Ligue des Champions. De Lyon. On sait que t'es supporter de <laughs> l'OM. <'Oil rire> J'ai vraiment dit Ligue des Champions. Oui. Je, je suis dans le trou, je vous le dis. On <laughs> est combien 30 à 5 il, il y a 72 à 5. Là. Et les derniers, c'est deux clubs. C'est deux clubs avec 6 Ligue 1. C'est pas euh, Lille? Lille Monaco Non. Lille Bordeaux. Non, ouais, Bordeaux, hein. Ouais. Ouais, ah, et d'ailleurs, tu l'as ouais, dit. Ouais, ouais. J'ai oublié euh, de, Reims. de, de Reims. valider, Reims. mais... Reims. mais euh... Ouais, n'oublie pas mes points. Rince N'oublie pas mes points. Rince, exactement. bien joué. Voilà. De quoi, Rince, tu dis, Rince Rince, tu l'as dit. Tu m'as pas écouté, je t'ai dit, j'ai oublié de te le valider. Ah oui, le classement aussi. Mais le classement, de toute façon... Il n'y a plus de règles. 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 Il L'équipe de Farid a gagné. Donc, ouais. ils décideront de, du gage. D'accord. Et euh, vous devrez faire une vidéo dans vos clubs respectifs et nous l'envoyer, les gars. D'accord, une vidéo. Euh, donc, lui du avec gage. les, lui avec le les harnais. Voilà. <laughs> de ce que vous voulez. Ils vont réfléchir au gage. Vous, avez de, vous allez devoir le faire. Le faire dans vos clubs respectifs. Ils nous envoyer les photos on le mettra sur Top 54. Allez. Jérémy, c'est bah, bah, hein. parti hein. Messieurs, merci pour cette euh, belle émission Avec ça plaisir. passe euh, très vite merci en tout cas, vous cas je vous remercie merci. Jérémy, merci, merci beaucoup on regardera le, le tirage. Hein Pareil pour toi Kevin. Et puis on vous soutiendra, on vous donnera de la force aussi. Merci, hein c'est gentil. Farid, on prend la revanche la prochaine fois. Pas de soucis, avec plaisir. Allez. Et Salah je te remercie merci au top. À vous, au merci top à vous, les gars. Les gars. Merci, merci, Un merci, grand merci à vous Sam vous quand même. Merci car... à Sam, merci beaucoup. Tranquille les gars, ça va, c'est pour moi. <rire> <rire> Et merci Pierre Damer. <rire> 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 Bonne soirée à vous et à très bientôt, c'était Top Show, l'émission 100% foot amateur sur Radio Fadjet 94.2.